C'est dur. Hein. C'est oh oui, FDGod qui sort de sa boîte et qui prend un doublé. Pourquoi y a pas écrit FD? Pourquoi y a pas le logo de Lucho? Ils sont pas tombés les joueurs. Il y a eu un clic droit. Non mais c'est quoi ça? Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Ça c'est signé FD les gars. Salut à tous, c'est Zaroïd et c'est surtout le premier recap des grands playoffs de la saison Overwatch League 2020 avec des casters masqués et du côté des équipes des masques qui tombent. Alors au programme de ce recap, un petit round et puis s'en vont, les playoffs tournent court pour Houston Outlaws, Vancouver Titans, Toronto Defiant et Dallas Fuel. En NA, c'est fini aussi pour Boston Uprising, Los Angeles Gladiators et Paris Eternal. Et puis en Asie, c'est terminé également pour London Spitfire, les Chengdu Hunters et les Hangzhou Spark. Comme prévu, la nouvelle méta a rebattu les cartes. Principale victime, Paris. Plus belle surprise, Washington. Bon, j'ajoute que 4 équipes ont gagné tous leurs matchs sur cette première semaine. Philadelphia Fusion, San Francisco Shock, Shanghai Dragons et Seoul Dynasty. A noter que Philadelphia Fusion, impressionnant, et Seoul Dynasty en mode playoff n'ont pas concédé la moindre carte. Dans ce récap, j'ai très envie de vous parler d'abord de Paris Eternal. Paris qui a réussi sa saison régulière mais raté ses playoffs. Quand on attaque les grands playoffs bourrés d'ambition, des ambitions légitimes, et qu'on en sort avec 2 défaites en 2 matchs, 3-2 face à Atlanta Reign, que Paris avait toujours battu cette saison, et 3-0 face à Washington Justice, Washington avant-dernier de la saison régulière en zone NA, mais requinqué par l'arrivée de Dika et une méta qui lui va comme un gant, il y a forcément de la déception et de la frustration du côté de Paris. On en avait imaginé des scénarios pour Paris. On savait que Paris n'était pas favori, mais plus face à des équipes comme Philly Fusion ou San Francisco Shock. Mais honnêtement, on ne pensait pas que Paris ne ferait que passer dans ses playoffs. Finalement, la grosse question, c'était la méta. Méta pour Paris ou pas? Méta qui avantage qui? Visiblement, Paris Eternal a fait partie des équipes les plus en difficulté sur cette première semaine. Et parmi les favoris et les outsiders, Paris est aujourd'hui la seule équipe qui manque à l'appel. Sur ce nouveau patch, Paris Eternal a tenté, mais n'a su ni trouver son 6 titulaire, ni son style de jeu préférentiel. Pour pallier au manque de flexibilité de certains joueurs, le coaching staff a fait beaucoup tourner. Ben a joué 2 cartes et nos Smite 5. Soon, Exy et Nico se sont alternés aux côtés de Sparkle. Sparkle qui, repositionné sur son bras, a fait ce qu'il a pu sur un pick dont il n'est pas spécialiste. Enfin, Exy, blessé, n'a pas pu s'entraîner pendant une semaine. Fielder toujours en Corée avec 200 ping et Smex, le meilleur chopper de l'équipe en phase de rétablissement en Angleterre, n'ont pas permis de préparer ces grands playoffs dans les meilleures conditions. Face à Atlanta Reign, on a vite senti que ce serait plus compliqué que prévu pour Paris, et sans pression, Atlanta n'a pas hésité à rentrer dans l'art de son adversaire. La régularité d'Edison et la polyvalence de Sharp, qu'on avait très peu vu cette saison, ont eu raison des choix de Paris Eternal, et dans les moments décisifs, notamment sur les cartes de contrôle, Atlanta a fini par s'imposer. En grillant d'entrée son Joker et avec moins de 24 heures pour préparer son match contre Washington Justice, Paris Eternal s'est alors retrouvé dans une situation très compliquée. Malgré plusieurs styles de jeu tentés, Rush Reinhardt, Dive Winston et Mirror Oxaria, et une bonne exécution, hein, notamment sur Numbani où le full hold du premier point s'est joué à 2 grenades clutch d'Emgod, Paris n'aura finalement pas trouvé la solution. Paris Eternal quitte donc les grands playoffs de l'Overwatch League prématurément, hein, compte tenu de sa très belle saison régulière. L'équipe franco-coréenne se sera battue jusqu'au bout, avec ses armes, malheureusement pas les mieux aiguisées sur cette nouvelle méta. L'invité surprise de la semaine, c'est donc Washington Justice. Washington qui n'avait gagné que 4 matchs avant d'aborder ses playoffs et qui là, en 4 jours, a collé des 3-0 à Vancouver Titans, Dallas Fuel et Paris Eternal et même mené 2-0 face aux champions en titre San Francisco Shock. La force et la chance aussi de Washington Justice, c'est d'avoir su profiter du nouveau patch pour masteriser une composition sur mesure. Avec Emgod sur Ana, Arc sur Ange, Stitch sur Ashe, Tuba sur Sombra, Tracer ou Pharah, Janu sur Chopper et surtout DK sur Zarya, chaque joueur de Washington est sur un pic de confort et ça se sent. Au-delà de l'effet de surprise et des individualités qui brillent, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Washington a su développer un jeu d'équipe cohérent avec des win conditions simples et clairement établies. Hack, Hook, Nade, contrôle de l'espace et du rythme avec la fronde pour permettre à Stitch de trouver des one-shots, sans oublier DK, l'arme de destruction massive de Washington Justice. Sur Zarya, c'est simple, il a été monstrueux. Sa capacité à ajuster son positionnement, à bien utiliser ses bulles pour se charger rapidement, rester en vie et détruire tout sur son passage est à mettre en avant. S'il est clair que DK a bénéficié de l'aide XXL de ses coéquipiers, Nano Demgod, Boost de Mercy, il leur a bien rendu, comme en témoignent ses 2 titres de MVP.
On dit toujours qu'un joueur ne fait pas une équipe, mais sur ce coup-là, Dickel l'a sacrément bonifié. Reste maintenant à savoir jusqu'où peut aller Washington Justice dans ses grands playoffs. Prochain test, Los Angeles Valiant en loser bracket. Les autres performances de la semaine sont signées en zone NA Boston Uprising, Los Angeles Valiant et Atlanta Reign, et en zone Asie Seoul Dynasty. En s'imposant dès le premier match 3-1 face à Houston Outlaws, Boston a désespéré les pronostiqueurs qui rêvaient de trouver le bracket parfait pour empocher les 100 000 dollars mis en jeu. Si Boston a raté sa saison, il a réussi sa sortie. Même face à Atlanta, défaite 3-1, ce n'est pas passé loin. À mon avis, les deux Coréens Myeongbong et Jerry ne manqueront pas d'être courtisés pendant le mercato. Coup de cœur aussi pour Los Angeles Valiant qui confirme sa belle 5e place et s'offre le 4e Florida Mayhem. Une victoire 3-2, pas juste un joli coup, puisque cette saison, Los Angeles Valiant a affronté et battu 3 fois Florida Mayhem. Atlanta a réussi également un joli coup face à Paris Eternal. Son flex support Dogman s'était réjoui d'avoir été choisi par Paris, qui est jugé comme l'équipe la plus faible du top 5. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette nouvelle méta, Atlanta a su saisir sa chance et faire douter Paris. En Asie, c'est Séoul qui a marqué le week-end avec 2 victoires 3-0, face à des adversaires qui pourtant cette saison ne lui avaient pas trop réussi. 3 défaites lors de ses 3 derniers matchs face à Hangzhou Spark et une seule victoire en 4 matchs contre Guangzhou Charge en 2020. Séoul, tellement inconstant pendant la saison régulière, reprend des couleurs, retrouve son jeu et se met en mode play-off au meilleur des moments. Avec Séoul, on ne sait jamais s'il faut s'emballer ou se préparer à tomber de haut. Le prochain match en finale du Winner Bracket face à Shanghai Dragon sera plus qu'un test. Le dernier Shanghai-Séoul en finale, c'était lors du May Melee Tournament, une finale complètement dingue. Séoul menait 3-0 avant l'incroyable remontada de Shanghai. Je vous l'ai dit, lors de cette première semaine de grand playoff, seules 2 équipes n'ont pas perdu une seule carte. Séoul, on vient d'en parler, et Philadelphia Fusion. Philly peut être l'équipe qui m'a fait la plus grosse impression lors de leur semaine très Los Angeles, avec 2 victoires 3-0 face à Gladiators et Valiant. Plus que le score, c'est la manière qui frappe, avec un sentiment de maîtrise totale. Malgré le nouveau patch, Philly n'a eu aucun mal à s'adapter. Pas étonnant en même temps pour l'équipe la plus régulière de la région NA. Collectivement, c'est un régal, avec notamment une excellente gestion de l'espace, du rythme et des ressources pour prendre et conserver le momentum. Et puis individuellement, Sado et Fury font un travail remarquable en front. Issou s'impose aujourd'hui comme l'une des meilleures sombras de la ligue. Pony Astro signe aussi une masterclass sur Lucio avec des murs du son parfaitement timés pour contrer les IEM adverses. Ivy est ultra disciplinée quel que soit le pic et Alarm ne cesse de marquer des points pour le titre de rookie de l'année 2020. Si on ajoute à cela une polyvalence et un banc XXL avec Carpe, IQUO ou encore Poco, on espère voir gratter du temps de jeu sur ces grands playoffs. Philadelphia Fusion fait clairement peur. Alors petit rappel quand même, Philly n'a encore jamais rien gagné en Overwatch League, mais question, et si 2020 était la bonne année? Parmi les candidats à la victoire, Shanghai Dragons et San Francisco Shock sont toujours là. Shanghai n'a joué qu'un match cette semaine, mais quel match! 5 cartes et une victoire 3-1 contre New York Excelsior qui pourtant a absolument tout donné. New York qui a joué sa vie sur ce match. Comment ne pas partager l'enthousiasme d'Atao et Lutti sur l'un des derniers teamfights du match? Ils se font MP, 3 personnes, ils ont pas de mur du son pour résister à ce MP. La bombe elle est collée, c'est répondu avec un bon MP. Mais Nijigon encore une fois qui est en place. Les Shanghai qui sont en train de le faire à Tao. Ouais, on a pris un premier kill. Fleta qui va aller essayer d'enfoncer le clou. On va aller chercher justement la ligne arrière là de l'équipe de New York Excelsior. C'est là. C'est fini. C'est un point de... Là c'est un point important. On a heureusement Adamo qui va essayer de temporiser. Est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'on va déminer avec la connaissance des Ayaki qui va tourner ce bordel? Sajonak qui fait le retour là. Fearless qui est bon point de vie. On a une bonne temporisation. 2 pics récupérés par l'équipe. C'est Imobi qui revient. Mais quel match! Incroyable entre les deux équipes, c'est Evolvi qui fait la différence. Un joueur qu'on avait perdu de vue depuis des mois et qui est en train de clutcher face aux Shanghai Dragons, les empereurs de l'Asie et de l'Overwatch League qui sont mis dans le doute par cette équipe de New York. Comment il gagne ce fight? La temporisation de Mano, l'ultimate sur le point qui empêche tout le monde de reprendre des bonnes positions. On va avoir encore des ultimates à faire valoir, mais cette fois-ci, la rotation est positive pour New York Excelsior vu qu'on va avoir le mur du son de Anamo, l'ultimate de Hotman, l'ultimate de Sebulbi également. Et on va avoir beaucoup de ressources à faire valoir de l'autre côté. C'est Feta qui l'a trouvé, une skill incroyable. Axel qui est le premier à tomber, Isayaki qui a son ultimate de disponible. Hotbar qui se fait one kill. C'est autour de Feta que le mur du son qui est annulé, Anamo qui tombe. Shanghai Dragon qui l'emporte. Incroyable. Feta, l'ancien pensionnaire de Seoul Dynasty,
qui vient de taper un grand coup sur la tête de New York Excelsior. On va utiliser le rappel, mais ça ne servira pas. 99% à 99%. C'est fait. Le dragon qui montre toujours qu'il est patron au Shanghai Dragons, qui fait un match incroyable. Odak qui revient. Ça mais ne suffira pas. On essaie de contester. On a la pulse bomb qui va passer. On va faire chuter Odak et le point qui va revenir. On conteste encore avec les armes du désespoir pour New York, mais ça ne suffira pas. La victoire 3-1. Melutti, mesdames, messieurs, quel match incroyable! Sincèrement, en zone Asie, on voit souvent des matchs complètement fous. Le New York Excelsior Chengdu Hunters était lui aussi un régal. Un mot aussi forcément sur le parcours du champion en titre, San Francisco Shock. SF Shock n'est pas le plus à l'aise sur cette nouvelle méta. Une carte de lâché face à Atlanta Reign, deux cartes de perdu face à Washington Justice avant d'engager la seule remontada du week-end. San Francisco Shock s'est fait peur et a montré quelques fragilités, même si à l'arrivée ça passe. SF Shock face à une équipe de Washington Justice en feu sur les deux premières cartes a fini par trouver des solutions. L'entrée de Violette sur Zenyatta les a notamment bien aidés. SF Shock a été sonné, mais SF Shock pas KO. L'équipe a de l'expérience et du répondant. Avec une semaine de plus pour s'adapter à la méta, San Francisco devrait présenter un visage bien plus séduisant en finale du Winner Bracket contre Philly Fusion. Il le faudra, car pour rappel, lors de leur dernier face-à-face, Philadelphia Fusion top 1 de la zone aînée s'était imposé 3-0. Bon, deux, trois petites choses avant de terminer. D'abord, le départ de Lilbo de Toronto. Lilbo remercié de façon assez brutale, comprend qui peut, mais penser forcément pour lui. Un mot aussi sur Vancouver Titans, l'autre équipe canadienne. Brillant finaliste la saison dernière, les Titans auront vécu une saison 2020 noire. En se débarrassant des anciens runaways en cours de saison, il a fallu à la va-vite reconstruire une nouvelle équipe. Ceux qui sont arrivés n'y sont pour rien, Dalton et Shockwave ont même montré de bien belles choses et notre friend Shitsuna en a profité pour mettre un doigt en Overwatch League. Mais pour sa gestion humaine calamiteuse, Vancouver ne méritait pas d'être récompensé en playoff. Être sorti d'entrée par Washington n'est que justice. Je termine avec un regard particulier sur la zone Asie. Je suis vraiment hyper curieux de voir qui va sortir du chapeau. Bon, Shanghai, qui a réussi un quasi sans faute depuis le début de la saison, semble à l'abri d'un couac. Ce serait d'ailleurs très dommage de ne pas les voir parmi le top 4. Mais pour ce qui est de l'autre billet qualificatif pour le Final Four, entre Guangzhou Charge, New York Excelsior et Seoul Dynasty, tout peut arriver. Guangzhou Charge mériterait d'être récompensé pour sa belle saison, mais souffre sur la méta actuelle. New York est revenu à un très bon niveau, mais a souvent souffert d'un mental en biscotte en playoff. Enfin, Seoul Dynasty est peut-être l'outsider avec le plus gros potentiel d'upset, mais le haut niveau, c'est aussi la constance. Et avec Séoul, on a si souvent été déçus cette saison. Suivez en tout cas la zone Asie ce week-end, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Sincèrement, je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà ce que je voulais partager avec vous cette semaine. Suite et fin des grands playoffs dès ce soir, vendredi 21h, avec en loser bracket NA, Atlanta Reign, Florida Mayhem et Los Angeles Valiant, Washington Justice. Samedi matin, encore une fois les amis, mettez le réveil. 11h, New York Excelsior, Guangzhou Charge. Puis Shanghai Dragon, Seoul Dynasty. Et puis samedi soir à 21h, troisième round du Loser Bracket, mais surtout la grande finale du Winner Bracket NA entre Philadelphia Fusion et San Francisco Shock à ne surtout pas louper. Et enfin dimanche, rendez-vous à 11h pour la finale du Loser Bracket asiatique et à 23h pour celle du Loser Bracket NA. Profitez bien les amis parce que la semaine prochaine, pas d'Overwatch League, ça reprendra le 26 septembre avec les All-Stars et le 3 octobre également. Un coup la région NA, un coup la région asiatique. Et enfin, dernière date à retenir, le Final Four du 8 au 10 octobre pour connaître enfin le grand champion de l'Overwatch League 2020. Maintenant, c'est à vous de prendre la parole dans les commentaires. Votre finale de rêve, votre MVP, votre réaction aussi après l'élimination de Paris Eternal, votre grand gagnant. Il y a plein de sujets sur lesquels réagir, plein de sujets sur lesquels j'ai hâte de vous lire en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et d'ici là, e-sportez-vous bien et à très bientôt.